Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 2 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir recruté Tali dans notre équipe. Donc, nous allons tout de suite continuer en faisant la quête pour pouvoir avoir le module d'identification moissonneur pour passer le relais Oméga 4. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que moi, oui. Alors, donc, on va sélectionner notre équipe. Donc, on va prendre Samara, qui est en apparence noire, ainsi que Tan. J'avais pris une apparence comme ça, assez basique, j'ai modifié, parce qu'il faut pas tout le temps rester avec la même apparence, hein. Alors. Ouh. C'est quoi ces secousses, Joker? Je fais ce que je peux. On a des pointes devant à 500 km/h. La voix de l'amiral qui est complètement hors de la plaque. Mais sa signature Ladar est celle d'un vaisseau guette. Maintenant on sait pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact. Que s'est-il passé? Les champs gravitationnels du moissonneur sont toujours actifs. On vient de passer dans leur enveloppe. L'œil du cyclone, en somme. Ok. Donc j'espère que vous avez bien coupé le téléphone parce que... Ça ne ressemble pas à l'œuvre des guettes. L'œuvre des récolteurs. Et c'est un peu de sensibilité, voilà. Pas trop vous donner la gerbe quand même. Aux yeux, ok. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Le moissonneur a installé des barrières cinétiques. De là où on est, on ne va pas pouvoir passer. Nous sommes pris au piège. Je veux des solutions, Joker. Qu'est-ce que vous proposez? Shepard, qui dit barrière cinétique? Au moment de l'avertissement, ce noyau maintient également l'altitude. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir. Et du coup, tout le monde crève! Ouais! Je n'ai aucune envie de perdre ces infos. Nous devrions pouvoir récupérer les données de l'équipe scientifique. Ne tardez pas trop. Je me tiens prêt à vous exfiltrer. Normandie terminée. Ouh. J'ai entendu des rumeurs sur ce genre d'atrocité. Et moi qui croyais que c'était exagéré. Malheureusement, non. Vous êtes marié? Première nouvelle? Cathy est plutôt du genre irascible. Au mariage de son frère, le témoin lui a fait un peu de rentre-dedans. Elle l'a rembarré de façon programme. Cathy, c'est ma femme, c'est moi qui ai dû vous raconter cette histoire. Sûrement pas, mais je m'en rappelle très bien. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Cathy planter des bas. Ouais, le genre avec des coutures qui remontent sur le mollet, je m'en souviens aussi. C'est quoi ce bordel? Comment est-ce qu'on peut se souvenir des mêmes choses? Cet endroit a affecté leur esprit. Oh. Ça a mélangé leurs souvenirs. Kira, révèle-les à nous. Les réservoirs à haute... Oh, des zombies. Ouais, j'ai touché la cible. En cible hors de combat. Que l'océan te recueille. Voilà. Je me suis toujours demandé si cette technologie... Que sont les zombies en fait? Je me rappelle plus si c'est expliqué dans le 1. Je pense, mais... C'est ma faute, désolé pour ça. Ma souris était sortie de l'écran, je l'avais pas vu. Comme ça.
Désolé hein, pour une petite coupure en plein milieu. Bon, c'est un peu lent quand même au niveau de souris, du coup on accélère un peu. On nous tire dessus. Le sniper appartient peut-être à l'équipe Cerberus. Nous devrions établir le contact. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. On a fini de précision, nice. Aussi, c'est que des zombies. Hein. Droit devant. Ah. Une engeance, ça, c'est un peu plus chiant. Poussière, tu redeviendras poussière. Besoin de munitions. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Nice. C'était pas par là, je me disais aussi. Jordana a prétendu que ce vaisseau était mort. Ah, c'est par là, d'accord. Il monte avec cette arme alors que j'ai pas du tout une arme comme cela, mais bon. Pourquoi un get nous aide? Oh, c'est donc lui des géants. Le Get est notre sniper. Je les croyais incapables de parler. C'est la première fois que j'entends parler d'un Get opérant seul. Cette musique. D'une épicness totale. Je sais pas pourquoi j'ai pris des munitions différentes alors que j'avais déjà le pouvoir, je suis idiot hein, je pense. C'est pas grave. Ok, on va pouvoir y aller. Amon Kira, révèle-les à nous. Regarde-moi.
Ok. Non, fusil à pompe. Ça pourra toujours servir. Contact. Je n'ai plus de bouclier. Oh merde, une engeance. Ok. On peut y aller. L'ennemi utilise des armes lourdes. Bouclier neutralisé. Ça fait mal sa mère. Désolé. Allez, on peut continuer à avancer. Je te vois. Facile. Oh, flûte. Oh, saleté de zombie. C'est moi te tirer dessus. Ça va pas tarder si on continue comme ça. Mais je peux prendre l'arme en fait, j'avais pas vu que j'avais autant de munitions. Bon, je peux survivre. Problème pas. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est détruire le noyau gravitationnel. Et le vaisseau ira s'écraser sur la planète. Ouais. C'est notre objectif. L'équipe.
révélé à nous. Il m'appartient. À moi. Est-ce que ça, c'est un boss? Faut juste attendre, c'est ça? Non, c'est ça, il faut juste attendre. Internet. Dur sera la chute. Que c'est un recueil. Étreint l'océan. Ennemi à vue. Ça va s'ouvrir. Rôle de boss, hein. Étreint l'océan. Encore une fois. Cible hors de combat. Allez, mon cher noyau, ouvre-toi. Ennemi à 6 heures. Ah, loupé. Ici. Bon, qu'ils sont tous morts, pourquoi pas. Shepard, ce Get, il me paraît judicieux de le rapporter avec nous. Son comportement était intéressant. Tali affirme que personne n'a encore capturé le risque est grand, mais ce n'est pas la le temps presse, allez. Accrochez-vous. Ouvrez le sas bâbord. Nice, mon petite explosion, je m'attendais à plus grand. Dommage. J'aimerais qu'on discute de notre passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau. Un Get intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Je suis absolument après ce que j'ai vu sur Eden Prime. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un Get intact. Je veux savoir pourquoi il a c'est peut-être un trophée. Non, un trophée est un signe d'émotion. Les IA n'en ont pas. J'ai détruit des centaines de ces trous. Celui-ci a essayé de communiquer avec nous. La réactivation du guet. Je continue à croire que nos intérêts passent par un large. Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixé sur ce qu'on a là. Si on l'active, rien ne dit qu'on si, pourra le désactiver. Mon frère. C'est parce que. Merci à tous deux pour vos précieux conseils. Dali va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça.
Alors, cette identité... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Il convient d'effectuer des tests exhaustifs avant de chercher à passer le relais Oméga 4. Il faudra... Impossible à dire, vu la complexité de cette... Je vous avertirai quand nous serons... Ok. Obtenu une technologie quête. Ça c'est pour les armes, c'est ici que je voulais aller. C'est là. Trois prototypes. Oui, ça. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord... parler à Kelly. Il y a un guet. J'espère que vous n'allez pas. Vous avez une minute pour à vous toujours. Je ferai mieux. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. On va aller voir Dali et Jack. Kenneth. Ça donne quoi les nouveaux boucliers sur ta grille de... Shepard, vous tombez bien. Je viens de recevoir un message de la flotte. J'ai peur, Shepard. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne travaillez pas. Je ne sais pas. Ils ne porteraient... Mais, merci. C'est parce que vous travaillez... Je ne travaille pas pour Cerberus. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai. Que se passe-t-il quand un Carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer la sentence pour trahison et l'exil. Si je suis condamnée, bon, allons rejoindre. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles. Ok. Quand nous aurons le temps, on en reparlera à plus tard. Quand nous aurons le temps, j'ai la Faites-moi la un commission. Sur... J'ai peur, je sais pas. D'accord. Mon père, la sentence pour trahison et l'exil. Je dis juste ça vite fait. Enfin, je l'ai pas juste, si jamais. Elle pensait bien faire. Elle a été réhabilitée. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions. Bon, allons rejoindre. Je vais programmer le nom. Ok, ça c'est bon. On va aller voir Jack vite fait. Qu'est-ce qui se passe, Shepard? On peut pas lui parler. Ok. C'est ça. Alors comment qu'on fait? Comment qu'on va faire? Tout d'abord, allez voir le get inactif qui s'appelle donc Légion, comme vous avez pu le voir. Oui, accéder, c'est assez simple. Alors donc je vais déjà regarder en même temps mes missions. J'ai Tali. Ok. Garde à vous. Je vais réactiver ce truc. Oui, chef. J'ai isolé nos systèmes et dressé des pare-feux supplémentaires. Je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion. Je crois savoir qui c'est. Tu me comprends? Oui. Tu vas m'attaquer? Non. Tu as prononcé mon nom à bord du moissonneur. On se connaît? Nous vous connaissons. J'ai combattu pas mal de guettes, tu veux dire? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Toi et moi, non. Mais les autres guettes? Nous sommes tous les guettes. Nous ne vous avons jamais rencontrés. Vous êtes Shepard, commandant, alliance, humain, ennemi des hérétiques, tué par les récolteurs, redécouvert sur l'ancienne machine. Ancienne machine. Moissonneur.
titre superstitieux instauré par les protéins. Nous nommons ces entités anciennes machines. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Source extranet, transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Qui ça, moi ou les organiques? Oui. Oui, à quoi? Aux deux. Qu'est-ce que c'est, ça? Les hérétiques? Les guettes se forgent leur propre futur. Les hérétiques, eux, ils ne font plus partie de nous. Nous analysions les ressources matérielles de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Vous aussi, les moissonneurs vous menacent? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Nous sommes différents d'eux, étrangers à leur projet. Quel futur se forgent les guettes? Le nôtre. Est-ce que d'autres races seront affectées? Si elles s'en mêlent, oui. Quoi, vous n'êtes pas alliés aux moissonneurs? Nous sommes en conflit avec les hérétiques. L'administrateur Shepard est en conflit avec les anciennes. La coopération servira nos objectifs mutuels. Tu demandes à nous rejoindre? Oui. Alors comment est-ce que je dois t'appeler? Get. Pas votre nom en général, le tien. Nous sommes tous Get. Comment s'appelle l'individu en face de moi? Il n'y a pas d'individu, nous sommes Get. Il y a actuellement 1183 programmes actifs dans la présente plateforme. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Ça colle au personnage. Bible chrétienne, évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 9. Nous reconnaissons la pertinence de la métaphore. Nous sommes Légion, terminal des guettes. Nous allons nous intégrer aux Normandies. Nous anticipons l'échange de données. Administrateur Shepard. J'ai quelques questions indiquées. Sur les... Pour avoir une chance de réussir... Un coût développement restreint a été entériné. Nous devons Idea, accélérer. Très bien, Shepard. Oh! C'est bien. J'ai quelques questions indiquées. Sur les... Pour avoir nous une chance avons de... reproduit notre arsenal à distance. Au fil des millénaires, il a bien reçu. Administrateur Shepard, j'aimerais en savoir. Nous recherchons un consensus. Veuillez réessayer. Bien reçu. D'accord. Donc voici Légion, le petit Légion. Donc pour pas faire une vidéo trop courte, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la mission annexe de Tali. Je vais juste changer ma tenue. C'est quoi ce casque? Attends, je l'ai fait une par une, non? Noir. Simple maintenant. Comme cela. Voilà. On peut maintenant nous atteler à la mission annexe. Hein, qui est l'avant-dernière mission, après il reste celle de... Comment on appelle ça? Vous n'avez pas de message, celle de Légion. Puis on les aura toutes et on pourra se concentrer qu'à l'histoire principale. Réserve de carburant à 50%. Alors le cosmodéique est là, voilà. Donc bien sûr, après le 2, il y aura le 3. Par contre, je ne saurais pas vous dire combien de temps exactement après. Je compte faire certains autres jeux avant, dont, je vous le dis déjà, donc Resident Evil 7 et Tales of Berseria, qui sortiront sûrement en même temps que le premier épisode de Mass Effect 2. Nous verrons bien cela avec le temps. Voilà, l'Oreo du Valhalla. Enfin, Oreo, j'ai cru voir Oreo.
Oh, pas dans ma tête. D'accord. On va quand même visiter. Mika et Paz. D'accord. C'est une petite zone. Pour l'instant, je regarde juste s'il y a des anomalies pour où on peut atterrir. C'est tout ce qui m'intéresse. Ça risque d'être une grande zone, ouais. Une planète là. Une autre ici. Une juste là. Et deux au centre. Apparemment, il n'y a aucune planète où on peut atterrir. Hein. Ouais. Eh bien, nous allons sauver Tali. Hein. Ça, vous verrez. Par contre, celle de Légion, je la ferai hors vidéo. Hein. Normalement, après celle-ci, c'est Légion qui devra me demander de l'aide, hein, si je ne m'abuse. Hein. La flotte nomade. Tali est déjà là. Oui, Légion également. Voilà. Donc ça, normalement, on fait un... Ça c'est Légion. Ah oui, oui, très fort ça. Les deux armes qu'il peut avoir, elles sont pétées. Ici Talizora Vasniman Araya. Demande autorisation de nous amarrer au Raya. Nos systèmes vous identifient comme affilié à Cerberus. Confirmé. Après des années d'errance parmi les étoiles, au fil de la lumière et à travers l'obscurité, je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu. Dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieure 17. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'amener... Virez-moi cette chose de mon vaisseau avant de déclencher un incident qui fera passer le fiasco du projet Ascension pour une simple corvée de déchets! Quand Tali m'accompagne sur les stations conciliennes, les officiers de douane l'appellent parfois cette chose. Cette chose-là s'appelle Légion. Et si vous vous écartiez et qu'on l'appelait plutôt rebut de notre exosquelette est composé à 70. Silence! C'est votre vaisseau et je suis votre invité. Mais Légion est un membre de mon équipage. Je pourrais aussi bien vous renvoyer d'où vous venez. Personne ici n'aime les gages. Je pourrais les tenir à l'écart des éléments les plus actifs. Ils sont bien plus nombreux qu'autrefois, Talizora. Et au fait, c'est-à-dire ? Vous accuse d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé, je n'ai jamais rien fait de pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. Vous avez envoyé des matériaux guettes oui, à la flotte. Mon père, mais si j'ai transféré. Mes ordres sont de placer Talizora en état d'arrestation jusqu'à. Merci, capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les. Ok. Vous devriez parler à l'amiral Rad. Elle vous... Je n'en reviens pas. Est-ce qu'il doit y avoir un crime ? Le capitaine a laissé un guet monter à bord. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Talizora Vas Normandie. Tu arrives à point nommé. L'amirauté commençait à s'impatienter. Attendez, Ran, vous m'avez appelé Vas Normandie ? J'en ai bien peur, Tali. La commission de l'amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges. Non, hélas. Mes antécédents avec Tali et père avaient en faire autant. Tu verras bien, Tali. Pour ma part, je préside au débat et... Ils m'ont dépouillé. Les jeux ne sont pas encore faits, Tali. Tes amis te reconnaissent. J'imagine que... Les jeux ne sont pas encore faits, Tali. Venons-en aux faits. En effet, capitaine Shepard. Et selon nos lois, un accusé... Donc,
prêt ma défense. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, Tali. Merci, Shepard. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse exposer les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. Ce conclave est déclaré ouvert. Aux ancêtres, la prévenue, Talizora Vastormandi. Sécurité, il y a un guet parmi nous. Vous croyez échapper à la condamnation à Le fond. Capitaine Dana l'a autorisé à son bord. Objection retirée. Shepard Vastormandi, Talizora, membre de votre équipage, est inculpée au chef de trahison. S'il le faut, j'accepte. Pour Tali. Mais dans son cœur, elle reste Talizora Vasnima. Indigne. Je regrette qu'on interdise à son capitaine. Personne n'a rien interdit. C'est un simple. N'espérez pas que je reste les bras croisés à vous écouter débiter vos mensonges, Alcoris. L'humaine a raison. Amiro, je vous en prie. La détermination de Shepard à représenter Talizora est toute à son honneur. Tali, vous êtes accusé d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Comment Tali aurait-elle pu introduire des guettes dans la flotte alors qu'elle servait sur le Normandie ? Simple précision, Shepard. Tali n'est pas accusée d'avoir importé des unités fonctionnelles, mais des pièces capables de réactivation spontanée. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. Que s'est-il passé ? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Larrey, votre père y compris. Quoi ? Tranquille. Je ne doute pas de l'utilité de ce procès, Amiro, mais la sécurité de la flotte nomade est notre première préoccupation. Le Normandie se tient prêt à intervenir dans la mesure du nécessaire. Merci. Des unités d'assaut carienne ont tenté de reprendre le navire. Shepard, il faut à tout prix reprendre. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Larrey. Tout ce qui compte, c'est mon père. Vous proposez de reprendre la Larrey aux mains des guettes. Vous prenez un énorme risque. Avec votre accord, Amiro, c'est le choix qui s'impose. La sécurité c'est de la entendu. Flotte. Et si tu n'en reviens pas, nous ferons en sorte que ton nom soit lavé de ces accusations. Cette décision peut-être... Alors c'est décidé. Vous êtes libre de quitter le Raya. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ok. Ok, ok. Tali, trop stylé. Merci d'avoir accepté d'aborder la Larrey, Shepard. Les amiraux ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en serons plus une fois sur place. Vous tenez le choc ? Ils vous ont plutôt secoué, sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'il soit mort. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller ? Les amiraux, peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Larrey, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave, où vous vous trouvez actuellement. La navette... La loyauté envers la flotte... Shepard ? Shepard est venu m'assister. Oui, j'en ai entendu parler. Non, Vator. Jamais, je ne m'étonne pas. Mieux ? Je peux vous aider, peut-être ? Vator, je le... j'en suis sûr, Vator. Je suis... Ne vous en faites pas. Bien, merci. Mais merci, commandant. J'ai besoin d'informations sur la Larrey. Et que voici un splendide spécimen. Une armature guette montée sur un endosquelette standard. Ou bien avez-vous convaincu Légion un... Légion m'accompagne de son plein gré. Et il a un nom fascinant. La comme présente je... plateforme est inéligible. Charmant. Je suis ravie de constater que les humains ne se sont pas détournés des synthétiques, eux. Ce procès n'est qu'une mascarade nourrie par la peur. Que pouvez-vous me dire, Alors je suis forcément hors de cause. Non.
Je pensais railler. Mais si l'amiral, un vaisseau, il a été assemblé. Je lis juste vite fait, hein. Je fais juste ça très rapidement. Ce fut un plaisir de pas trop faire durer la vidéo. Rebonjour, commandant. Bonne chance. Calriga. Qu'est-ce qu'ils ont tiré? Un truc fou. Comptez pas sur moi pour épiloguer. Je n'ai que la vérité, madame. Ils étaient indécis. Vous avez fait ce qu'il fallait. L'énergie noire. Pour eux, vous ayez raison. Rien de Il y a des jours où je me dis que... Faut croire que je m'en souviens. On ne peut... Non, je sais pas la raison. On devrait y aller. Bonne chance sur la Ok, l'arrêt. Voilà. Soyez prudent. Alizora est venue avec un guet. Si ce n'est pas une preuve... Ouais, j'étais pas obligé de prendre le guet, c'est pas grave. Vous m'avez piégé, Shala. Vous avez interdit au capitaine Dana de révéler ce qu'il savait. Et j'apprends qu'il fallait que les amiraux entendent la surprise dans ta voix, Tali. C'est notre meilleure chance de trouver les preuves qui t'innocenteront. Je suis désolée, Tali. La situation ne se prête pas à la sensiblerie. Je sais que vous essayez de... Personne d'autre aurait voulu. Il est peut-être encore en... Vous devriez aborder la Larrey sans tarder. Que puis-je... Oui. Non, je m'y refuse. C'est moi qui ai délivré. Depuis quand connaissez-vous C'est moi qui ai... L'attribution... Il voulait offrir notre monde une preuve que tout cela n'est qu'à... Vous envisagez... Mais d'autres... Il ne s'agit pas de... Je ne crois pas que ce soit possible. Nous devrions... Bonne chance sur la Larrey. Ok. Je suis plus aussi... Bonne chance. Vous l'avez remis à sa place comme jamais. Je suis ravi que le capitaine de Tali soit à ce point à son affaire dans un tribunal. Je suis là pour aider... C'est de votre honneur. Vous me croyez innocente? Je vous connais, ton père et toi. Vous. Et vous êtes tous les deux suffisamment intelligents pour ne pas commettre les erreurs. Amiral... Je suis au courant, Tali. L'amiral Corris est le même bras que les recherches menées sur les guettes. Six des dimanches. Mais les huiles n'ont rien. Je ne sais pas. Nous avions. Alors il nous faut. J'espère que les cartes. Alors il nous faut un. Ok. Les guettes de votre. Le seul guette qui m'apporte. Merci pour accroche-toi. Merci, amiral. D'accord. Commandant, et pas de commandant. Je ne prends aucun plaisir à formuler ces accusations. Bon, là c'est pas la même. Je ne vous déteste pas. Même pendant l'audience, Talizora n'a pensé qu'à protéger la flotte. Allez, c'est parti. Petite vidéo de 50 minutes, j'espère que ça ne fera pas plus que cela. Le capitaine a laissé Rickett monter à bord. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Si quelqu'un peut reprendre la Larrey. C'est réellement un guet, Talizora? Pas d'inquiétude, il est sous contrôle. Avec un peu de chance. Si vous dites, sur ordre de l'amiral Rahn, la navette a été affrétée pour vous et le capitaine. Vous avez des infos? Ce sont. Il n'aurait pas dû. C'est exact. Entendu. Ennemi repéré. Je me fais canarder. Les yeux, Shadika. Vise les yeux. L'accumulateur. Ça, temps de réparation de parler. À l'intérieur, d'accord. Un pirate, ça. On dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé et un algorithme réflexe que je n'ai. Comment avez-vous transmis? Je signalais à mon père plusieurs centaines de. Vous pouvez en déduire. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence ou que mon père soit responsable de ce gâchis. Paré.
expédié. Je l'ai loupé, ça c'est fort. Oh non, flûte. Chaud, ça fait n'importe quoi. On y va plus prudemment cette fois-ci. Contact à 3h. Oh, one shot, ok. Voilà. Peut-être que je mette ouais. Deux missions. Système de camouflage optique. Cible éliminée. Rien n'est plus rapide. La base pose. Ah, joli. Nice. Une petite munition peut-être. Non, d'accord. Cette partie, on ne va pas passer par là, on est obligé de passer par ici. Petit coffre. Cette console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues, mais ils se livraient à des expériences sur des systèmes gate. Vous avez vu comment sa reine est souveraine? J'ai bien pensé qu'il plaît. Qu'avez-vous fait, père? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde. Et c'est comme ça que vous continuez. Peut-être qu'il est temps de renoncer à votre... Vous parlez sans savoir. Vous avez une planète qui vous attend. La flotte est votre foyer. Ne la sacrifiez pas. Inutile. Shepard, si je ne porte pas de masque sur ma propre planète, je mourrai. Un seul baiser m'expédierait à l'hôpital. Vous touchez des fleurs de vos mains nues. Vous respirez leur parfum sans... Maudit soit le pèlerinage. Sans lui, je n'aurais jamais eu conscience de ses interdits. De ce que nous avions perdu dans notre exil. Les Cariens n'ont jamais envisagé. Nous aurions déjà bien assez de. Voilà, à défaut d'autre chose. On peut... Allez. Mission. OK. Ok. On avance petit à petit. Première entrée. Nos tentatives d'intrusion ont. Non! Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir. Un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de stase embarqué. Tu ne peux pas! Impossible. Tu ne mourrais pas comme ça. Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait. Tu n'as pas le droit. Tali, il essayait de vous aider, de la seule manière qu'il connaissait. Il n'a jamais voulu vous abandonner. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Chaque fois qu'il part, je voulais un père qui prenne du temps pour moi.
Au lieu de ça, j'ai des ordres. Et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahi. Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage. Vous avez aussi hérité de son intelligence. Vous avez raison. Je sais ce qu'il fait. Il devait savoir que je viendrais. Il a sûrement les armes. Apparemment, elle a un problème, elle avait des problèmes parentaux, cette chère Tali, hein. Tali Zora. Cette console est reliée au réseau principal dont père a parlé. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça. Il le faut, je le sais. C'est juste que... Avons-nous assez de pièces pour en activer davantage? Oui. La dernière livraison de votre fille va nous permettre d'intégrer deux... La systémisation des attaques virales approche du point critique. Non, nous sommes trop près du but. J'ai promis à ma fille de lui construire une maison sur notre front. Ce serait plus facile si Tali Zora... Hors de question. Tali ne doit pas être exposée aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. On dirait que c'est pour vous qu'il l'a... Je n'ai jamais voulu ça, Shepard. Tout est de sa faute. Je le savais, je me suis voilé la face. Quand cette preuve sera... Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Rael Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas... pas, Shepard. Ils vont rayer son nom des manifestes de... Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Shepard. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous... Venez. Si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes... Alors on va sauvegarder, parce que je veux pas une mauvaise fin pour cette mission. Ok. Voyons les choses en face, nous n'avons eu aucune nouvelle. Rien ne porte à croire que Tali Zora a survécu. L'audience est déjà ouverte, on dirait. Nous devons avoir confiance. Ça ne fait que quelque chose. Nos marines n'ont pas tenu 5 minutes, amiral. Inutile de se voiler la face. Très bien. La commission est-elle prête à rendre son jugement? Désolé du retard. L'Alareille est débarrassée des guettes. Vous devriez pouvoir remonter à son bord en toute sécurité. Merci. Nous apprécions l'aide que vous offrez au peuple carien. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur l'Alareille? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-elle de nouvelles pièces à produire au procès? Tali a contribué à la défaite de Saren et des guettes sur la citadelle. Ça devrait vous suffire. Je ne vois pas la pertinence de... Tali n'est pas l'enjeu de ce procès, n'est-ce pas? Seules les guettes vous intéressent. Cette audience n'a rien à voir avec les guettes. Vous voulez fraterniser avec les guettes. Anne Guerrel veut la guerre. Aucun de vous ne se préoccupe du sort de Tali. Elle en sait plus sur les guettes que n'importe quel carien. Vous devriez l'écouter au lieu de la calomnier. Tali Zora a sauvé la citadelle. Elle a sauvé l'Alareille. Elle a prouvé à la galaxie la valeur du peuple carien. Je ne vois pas de preuve plus éloquente. Les amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement?
À la lumière de vos états de service, aucune preuve ne permet de Commandant Shepard, veuillez accepter ces présents en hommage à votre détermination à représenter la vie. Si vous me respectez, alors écoutez-moi. Les moissonneurs arrivent, et votre aide ne Merci, sera pas... Merci, Commandant Shepard. L'audience est levée. Allez en paix. Ce que vous avez fait, je n'en reviens pas. Jamais personne ne m'a défendu comme vous l'avez fait. Merci d'avoir été là. Pour mon père, pour moi. Même quand... Merci. On peut toujours y retourner et vous faire exiler si vous y tenez. Merci, mais les choses me vont très bien comme elles sont. Votre prestation était plutôt amusante. Tali, ce qu'a dit votre père, ce qu'il a fait, vous méritiez mieux. J'ai reçu plus que je ne méritais, Shepard. Vous. Venez, Tali Zora Vasse-Normandie. Retournons à notre vaisseau. Merci, capitaine. Ça pourra toujours servir. Ok, on retourne en Normandie. Ok. Commandant, Légion voudrait vous toucher un mot. Pas de message non lu. Avant d'aller voir Légion, on va aller revoir Tali pour voir un peu ce qu'elle a à nous dire. Ensuite, nous arrêterons là et je ferai entre cette vidéo et la prochaine, je ferai la quête de Légion. Yabi, puis nous allons partir à l'Oméga. Je suis désolé, tous ces débats stériles. Je n'avais que vous sur qui compter, Shepard. Vous êtes la seule à avoir pris fait et cause pour moi. Merci. Ce procès était une insulte. On n'a pas toujours... Mais mon père serait fier que je dois reprendre le travail. Vous avez un peu... Je dois vraiment décrasser ce moteur, peut-être plus tard. Vous pourriez donner... Ma fortification de bouclier peut être utile. Je vous laisse. À plus tard. Ok. Et donc, nous allons nous arrêter là pour cette assez longue vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était Dustel, moi j'ai dit bon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.